donc au jardin Éden du voyageur. On est sur la pointe des Poulains, à 1,5 km du phare. C'est la pointe nord de Belle-Île. C'est un endroit qui est déjà le plateau, évidemment. Les vallons vont descendre vers la mer. Et c'est un endroit qui est très exposé au vent et sur lequel il y a très très peu de terre. C'est la caractéristique du plateau bellilois. Le jardin fait 3000 mètres carrés. Et si ce jardin ressemble à ça, c'est parce qu'il y a des haies, il est entouré de haies, des haies que j'ai trouvées et que j'ai améliorées, que j'ai complétées. Parce que la cause principale des soucis du jardinier dans un endroit comme ici, c'est le vent. Je ne suis pas venu ici pour faire un jardin, j'ai fait un jardin parce que j'étais ici. C'est un climat très particulier. C'est ce qu'on appelle le climat méditerranéen, méditerranéen-atlantique, sur le littoral Bretagne-Sud, qui est caractérisé par des hivers doux, relativement humides, mais toujours très venteux, et en tout cas des étés secs, du fait du vent, et on ressent la sécheresse parce qu'il y a très peu d'épaisseur de terre. Très vite, j'ai compris que les plantes qui se plaisaient ici, ce sont les plantes des régions qui ressemblent, qui ont un petit peu les mêmes contraintes et les mêmes avantages qu'ici. Donc peu de gel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il peut y avoir du gel, et en tout cas qui sont bien adaptées à la sécheresse et au vent. J'ai très peu d'arbres pour avoir le maximum de lumière, et puis les arbres, les feuillus se plaisent pas très très bien ici. Ce qui pousse surtout, c'est les conifères, donc j'ai ce qu'il faut, j'en ai bien assez. Et ce sont surtout des buissons, des plantes rampantes, etc. Et leur origine, globalement, c'est les zones de climat doux de la planète. C'est le sud de l'Australie, le sud de la Nouvelle-Zélande. Le Cap, la région du Cap. On va retrouver la région de Chiloé, pas mal de plantes chinoises. Bon, alors évidemment, entre Pékin et Canton, c'est pas la même chose, mais on va dire des plantes de la région de Shanghai, c'est dans les montagnes un petit peu. C'est la base, et puis des plantes du Mexique. Beaucoup de plantes du Mexique se plaisent bien ici. Alors, ce jardin, il fonctionne pas tout seul. C'est sûr, ce jardin, c'est pas trop le temps que j'y passe. Bon, je peux pas dire que j'y passe pas de temps, j'y passe du temps. On va dire que j'y passe près de 2 heures par jour. Mais c'est surtout que j'anticipe, que j'organise, que tout est. Moi, j'ai été entrepreneur de jardin, donc j'ai acquis, j'ai développé ce sens. Je prévois, je fais tout, j'anticipe. J'essaye toujours d'anticiper. Ce serait mentir que de dire que, comme ça, les choses, je suis arrivé, j'ai trouvé une prairie, c'est vrai, j'ai trouvé une prairie entourée de conifères que j'ai taillées, arrangées, arrachées, replantées, autre chose. Mais à partir de là, j'ai été interventionniste. Avoir un beau jardin jusqu'au 15 juin, c'est pas difficile. Et il se trouve que comme c'est un jardin que je fais visiter et que les visiteurs arrivent à partir du 1er juillet essentiellement, bon, effectivement, il y a des groupes d'avertis, de gens qui sont des connaisseurs, qui viennent au printemps, au mois de mai, etc. Mais bon, les familles, elles viennent en été puisque ce sont les congés, et puis se disent, ben, aujourd'hui, il fait moins beau pour aller à la plage ou visiter un jardin. Donc le challenge ici, pour moi, c'est d'avoir un jardin qui soit visitable, enfin, pour en avoir un minimum pour son argent. Bon, moi, je veux bien raconter un peu des histoires pour distraire le groupe, mais il faut que le jardin ait un look. Ça me plaît de communiquer. Moi, j'avais fait des études pour être prof de sciences nat, je n'ai jamais enseigné. Mais j'aime le fait d'expliquer un peu, de connaître son environnement, savoir où on est, d'où on vient, comment les plantes sont là. J'aime ça, vraiment. J'essaye quand même d'être un petit peu connecté avec mon milieu. Déjà, le matin, je sens s'il y a eu de la rosée. Je sens s'il y a une petite souplesse du sol. Enfin, je sens quelle est l'humidité de l'air. Mais je suis pas un Mohican qui vit dans les arbres. Mais alors, il est certain, quand vous habitez en ville, etc., c'est moins facile. Et pour beaucoup de gens, c'est une espèce de voyage. Et quand on arrive ici, souvent, les gens disent: « Ah, on est arrivé, c'est de là qu'on est parti. » Ils ont eu l'impression de faire une excursion, on va dire.
Et ce côté-là, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime partager avec le public. Et là, c'est des voyages dans lesquels on se vide la tête, on pense à rien, on regarde juste les choses. Et... vivre sans jardin, pour moi, c'est l'enfer. Ça, c'est le paradis, mais vivre sans jardin, ça serait l'enfer. Je suis dépendant du jardin, ouais, c'est sûr, je suis dépendant du jardin.